je suis venu en voiture, on arrive ici, c'est, je dirais, c'est le Tibet, hein, par rapport à la région parisienne. Et tous ces gens-là, c'était... pour schématiser. Et c'était important de montrer tous ces gens-là, finalement, dans leur dignité, dans le respect, pourquoi utiliser une chambre en bois. Parce que c'est quand même, je dirais, au début du cheminement photographique, c'est-à-dire que vous faites poser les gens, vous leur demandez comment ils sont à l'aise ou pas, quel est leur métier. Donc il y a une dimension anthropologique, c'est-à-dire de donner énormément de signes de l'époque, c'est-à-dire il fait quoi on en parlait tout à l'heure, dans 100 ans, quand on verra ces images, si Dieu le veut, on verra un boucher, on dirait mais c'est un assassin, il vient d'assassiner des animaux vivants, qui pouvaient être vivants, enfin les choses vont évoluer, et c'est quand même un marqueur de l'époque, un marqueur des gens, c'est vrai, il y a ces regards, et c'est vrai que Bachelot me disait quand elle avait vu le monsieur, on m'a dit, mais vous savez, c'est vous qui photographie ces gens-là. Et il y a quelque chose à faire passer, c'est vrai, dans les regards, ils s'adressent à nous tous, etc. J'espère que l'exposition va tourner dans d'autres villages, d'autres villes. Bon, dans les grands centres urbains, c'est pas vraiment la peine, parce qu'ils sont aujourd'hui, alors, là, vous avez très bien évoqué l'art contemporain, en faisant avec le smartphone des gros plans du visage, et là, on pourrait faire un collage et le montrer, je sais pas, au centre d'art de Beaubourg, ou les choses comme ça. Mais la compréhension de l'image, la rencontre avec les autres, je pense qu'elle peut passer par ce type de photographie, parce que là, on a une rencontre avec les gens, quel qu'il soit, hein, vous avez, il y a des décédés hein, dans la série, hein, sur 3-4 ans, donc il y a des gens qui sont décédés, et respect à eux, et surtout à vous, et merci mille fois de m'avoir accueilli, parce qu'elle est très bien montée, tous ces des gens qui ont, bon, Dominique a fait des photos, quand même, des tirages exceptionnels, ça a été bien mis en scène et encadré, alors maintenant on va arrêter de parler, on va se mettre à boire, parce que sinon on va dire des bêtises.